موقي وقت في جتنا. Wajinema mangi don ci talibi mangi nekkon ci talibi waye ni may def fekk dama mu jëd droité dal di deglu sanjam bu rek Alhaji Malick Allah. Ñamun yaay xana rek li lay xamal ne waxtu wi jotna da fa am benen lu rax ci waxtu wi manam minuit bi mu joté rek xamal ne tay ji moy bëssu anniversaire Alhaji Malick Allah. Alhaji Malick, joyeux anniversaire. Di fatir rek comme nimo kay wax ak Serigne Saliwou diko wax rek nek radio mode international c'est la radio des grands événements yu bare ay tamé bes bi Alhaji Malick anniversaire mu jot mu tombé dimanche dafa melni yalla ji dal and na ci mu melni rek mu goko lu ay di njambar comme ni faral di waxe bon nak bes ba ngok anniversaire Alhaji Malick tal tay ji waye tamit mu tombé bes bi nga xamanteni yeen bu gene xam lu bare ci adina ak liko wër ak fi nga xamné fi lañu yéwo ak suñu réew ma nga xamné mom lañu bok tay ji mu tombé bes bi di wax rek né soxna moko jëk yone message soxna mako jëk a souhaité bon anniversaire donc joyeux anniversaire Alhaji Malick radio mode international ñu ngi la koy souhaité waye auditeur yi fuñu mëna né ci adina ñu ngi la koy souhaité sanjamu ndjay la koy souhaité njabot gi yeb ñu ngi lay souhaité joyeux anniversaire yaakar na né tay ji auditeur yi tamit dinañ am seen walu luñ ci joxé nañ ko défé won daw mu tombé won ak bës ba bon nak tay yalla ni yalla may ñu fekk ko dewen yu bari Alhaji yalla gëna yaatal xam xamum léral xam xamum may ko katan ak le bon vouloir ak beaucoup de volonté ndax li muy def yombul té defuko lul té yalla rek tax mu diko def yalla yobou ko ci mission bobule parce que amna ci yu bari comme ni ñun jëb li ñu dal ñu bay suñu lepp ñew tok fi bu bëggal auditeur bi lolu yalla koy nam ci jamm bi def ko ci mom ba tay ji nit ki war ko gis bëgg ko sopp ko ndax li muy def ndax li yalla def ci mom bon nak El Malick sanjamu ndjay ñu ngi leen di bay ngeen yeggali waxtaan wi ndax xamna ne auditeur yi bu ci karamé ñoom tamit dañ ci dugg jox seen anniversaire joyeux anniversaire une fois encore pour Alhaji Malick ñu dal dégg lu tuti babu mal bala ma duggal sa jambo ndax kat gaay né nañu kalaajo mi bok na ci yefi bok na ci xorom ci ñambul kaddu ka bok jerejef jerejef ay jigal assalamu alaykum wa rahmatullah mbokki xarit yi am di jammi auditeur auditrice a travers le monde ñu ngi leen di nuyu di leen ziar minuit tek fukki minute ak juroom ben ngeen di deglu radio modou international en direct new york wpat 930 ñu dugg ci altine bi nang fukki fan ak juroom ci wéru octobre 2018 ala jigal wax leen ko legi muy anniversaire Alhaji Malick Tall suñu global news consultant xana rek di wax auditrice auditeur fep gën ñu déglu ci aduna bi ngeen defal ñaan Alhaji Malick Tall yalla defal ko wër yalla defal ko guddu fan yalla defal ko xewul yu yaato ndax li mu ñuy defal reyna lool bari na toño xamni seen nelaw yak nañ ko wala tey nañ ko di xaar Alhaji Malick dugg ci segment bi jéxal ko kon mbokk yi defal len ko ñaan ku nek no meuna ñaan rek nga ñaanal ko yalla defal ko wër defal ko xewal defal ko guddu fan sam ko ak njabotam ci barka alcorane karim Alhaji assalamu alaykum wa rahmatullah a defu Alhaji mena Alhaji de genn na ligne bi voilà Alhaji assalamu alaykum wa rahmatullah alaykum assalam ma ngi leen nuyu bu baax baax way Alhaji ñu ngi leen nuyu encore une fois di la wax joyeux anniversaire yalla def wër yalla xewal yalla yaf guddu fan yalla sam njabot gi. Merci beaucoup. Elage, merci bien. Elage, dañuy dugg ci waxtaan wi. L'actualité internationale nak liko dominer
ben tourle Jamal Khashoggi koku journaliste la bo xamni mi nga fekk ko bax Arabie Saoudite ñaari fan ci wër wi ñu xamni mom lañu nek mu demone ci consulat bobu nga xamni moy consulat Arabie Saoudite bi nek ci Turquie bam fa duggé ba légui kenn gisatuko cioni nak bari lol ndax Jamal momu dafa nek permanent resident États-Unis d'Amérique mbir mi nak jur ciow lu bari bari lo xamni dañ ci del ci sox digënté Arabie Saoudite ak Amérique amna ñagas ci dina am waye tamit digënté Arabie Saoudite ak Europe amna ñagas ci dina am waye ba lañu ex ci fofu élage dama bëgg rek nga ñëwul ñu ci Jamal Khashoggi moy kan ba tax ñu yaakaar ni ki nga xamni moy Arabie Saoudite daf ko fagaagal dafa faat bakkanam ban danger ñu doon représenté ci nguuru Arabie Saoudite Jamal Khashoggi jërëjëf ci ma ngi lay nuyu bu baax ma ngi nuyu Alain ma ngi nuyu mbokk yi deug lepp jërëjëf pour les pour souhait yo nga xamné mom nga formuler Jamal Khashoggi saoudien la ligué na sax pour le royaume d'Arabie Saoudite Turki Al Faisal bi mi nek ambassadeur de l'Arabie Saoudite à Washington nekon na son conseiller en communication da fay bind pour da don da fa nekon liñ tuddé columniste un chroniqueur pour le Washington Post alors du nekul un radical wala ko xamné ni da don woté pour nguur gi daanu et cetera non bu nguur gi défé lu bax mu rafet lu ko buñ défé naka sudul nonu évidemment mu dénoncer ko donc c'est quelqu'un qui a eu à travailler pour donc la cour royale en Arabie Saoudite maintenant li xew moy c'est quelqu'un aussi bo xamné ni amone visibilité qui contacte au niveau de Washington parce que binde quand même pour le Washington Post du ndaw alors qu'est-ce qui s'est passé ci ay bes yele wessu donc le 2 octobre bobu ci la mouri de Virginia d'ailleurs il était en Turquie di finaliser divorce am dem ci am rendez-vous wala dem ci le consulat saoudien à Istanbul pour jël document bi finaliser divorce bobu pour man attack ki nga xamné ni moy chorom bu bes bi nga xamné ni elle est turque alors bimu duggé ci consulat bobu gennatul ba ay bes bi tay quel que soit ce que les saoudiens ont dit qu'est-ce qui s'est passé ce qui s'est passé moy ba mu fay duggu mo chorom bu bes chorom bobu ñu and mu bayiko ci buntu mu duggu caméra de sécurité yi ci buntu bi filmé nañ ko muy duggu ci bir building bi caméra de sécurité yi mosuñu filmé wat muy genn building bi ci ay bes bi ciow li jibé le Washington Post fi nga xamné fa la doon liggéeyé ils ont cité des sources officielles anonymes certes mais officielles des sources de renseignement américains National Security Agency kurel la go xamné ni kurel yi ëpp doolé ci adina bi la bokk ci walu écoute ak intersection de signaux NSA lu ci lu fess lu wër ay kelifa yu mag ci walu service de renseignement bi xamal nañ Washington Post né effectivement am nañu ay interception yu ñu amal yu woné né ki di Mohamed Ben Salman dañ ci déllu ci légui moy kan au plus haut niveau ci bir royaume saoudien bi ci kelifa yi ci Mohamed Ben Salman bobu mo joxé ordre naka lañ ko mëna naxé mom Jamal Khashoggi piégé ko ba mu dugg ci bir consulat bi lolu c'est ça vient des services de renseignement américains d'où luñu waxantu lu am la lenen li moy Turquie ci li génn ci sen presse xamlé nañ né bëss bam fa duggé 2 heures avant muy dugg ci building bi ñaari avion ay Gulfstream 4 yo xamne la ca nek man na fukki nit ak juroom joge na ñu Arabie Saoudite ñew ci Istanbul fofu ci Turquie ben avion bi mu ngi wacc ci Atatürk airport ci bir avion bobu identifié nañ
fukki nit ak juroom yi nekkon ci ñaari avion yoy nono bokku na ci ben lieutenant air force ko xamne fi la jangé ci Louisville bokku na ci ben forensic autopsie spécialiste ko xamne ci walu autopsie la jëm les turcs xamle nañ né également ñoo ñu nga xamne moy fukki nit ak juroom yoy saoudien yoy indi walé nañu matériel spécial bo xamne pour dag ay yakhla ak dag ay yaram les turcs xamle nañ né am nañu ay éléments audio ak vidéo dégg nañ ci audio yi ni nga xamné non lañ ko torturer ak dooruñ ko door Turquie woné également non seulement ray nañ ko ci bir consulat bi mais ñu chapati ko dag ko ay morceaux duggal ko ci ay bag def bag yoy valise diplomatique avion yoyu 2 heures après lolu am équipe tueur yi nga xamné ñoo joggé Arabie Saoudite dawal dem à quelques distances soriwul fi consul général bu Arabie Saoudite deuk rapidement ñu jëlat ñaari avion yoyu dem ben avion bi décollé stoppé Dubaï benen avion Gulfstream bi décollé wati Égypte li moy la version officielle des Turcs reposé sur des éléments audio ak vidéo xamné ça n'a pas été publié maintenant les Turcs sont un peu réticents pour publier vidéo audio yoyu parce que liñu japp ci fuite yam dans la presse turque moy téléphoneam daf ko bayé sa fiancée bi nekkon ci biti Apple Watch bi mu tak mo def recording bi lolu ñu bari japp nañu ci turc yi dañ ko wax nonu rek cité ko dans la presse mais jappuñ né lolu la les turcs ne veulent pas simplement joxé les éléments probants yi ñu am parce que dana woné les sources et les méthodes yi ñu utiliser pour espionner un pays étranger. Waye ku xam Turquie xam nga leur service de renseignement ci walu domestique yomu ñok ben réew. Et dès la première semaine bi yef yame le gouvernement turc jaarale ko ci presse bi nga xamné c'est une presse qui est proche du gouvernement du pouvoir woné né effectivement il a été tué ci bir consulat bi ñu daggaté ko ay morceaux def ko ci ay sacs diplomatiques pour génné ko réew mi alors voilà la version ce qui s'est passé donc c'est absolument inconcevable dañu déllu ci les différentes réactions li moy signifier etc mais li moy la version est officielle lan moy pushback Arabie Saoudite wédiné lolu amul nenañ il a quitté le building ils n'ont donné aucun élément que il a quitté le building mais li turki wax képp kuy nangu xam nga né lolu am là je mbir mi daw na yaram nit ak nimu mel nga man ko ray dagaté ko té nga ni réewum julit nga absolutely nek na lo xamni ça fait foi ou dou bi mbir mi amé nak xam nga fi dekkou presse la dekkou liberté la da comme fi la nekkon di fi liggéey collègues yépp jog nañu ba administration bi sax waxna ci congrès bi amnañ ci yëkkati sen kaddu ni kat bu mbir mi firndé li loolu amna il faut que Amérique dina jël ay daan tek ko ci kaw Arabie Saoudite xamnañ le président Trump bi mu togué voyage bi mu jëk def mi ngi ko def en Arabie Saoudite est-ce que ki nga xam li nga xam bu féké loolu amna ki di nguur ak Arabie Saoudite est-ce que du yaakaaruñu rek ni xeyna dañu Amérique dina gëm beutam motax ñu ñëmé def lu melni parce que def lu melni ci communauté internationale war nga yaakaar ni xeyna condamnation yi wala conséquences yi wara nek reuy yeen conséquences mom moy xaar Arabie Saoudite digënté mak États-Unis d'Amérique waye dem digënté mak le monde libre li nga xamné té li ñi wax ni bu la kenn nax dana ci delu ci légui mu ngi joggé ci ce jeune prince héritier bu ñi wax Mohamed Ben Salman tollu ci 33 ans dana la wax légui ci karam touti expliquer la mom moy kan li commencé wul tay ce jeune prince waruton nek prince bay teuxam wala nijaayam mo nekkon le prince héritier qui est l'ancien ministre de l'intérieur et ministre de la défense papam danaka il est tellement vieux le muy nek prince héritier il est le prince de facto il est le roi de facto alors bi nga xamé né fal nañ ko
amna yi fi am yo xamné ni man na la wonné qui est ce jeune prince héritier limu ñëk def moy dajalé lépp lo xamné ay cousin la domi nijaay ak domi badian ak papa ki mag ak nijaay japp leen tej leen certains ont été torturés ci rich carlo bi nek riyad tej leen def carrément li anglais tout da shake up moy genre ñu joxé sen alal wala ñu reey leen wala ñu door leen ci kasso bi il a pu gagner ci ñom plus de 100 milliards de dollars selon la presse américaine et les américains n'avaient pas réagi ci lolu bi Donald Trump togué juste après yangi fatalé ko c'est le premier voyage bi mu ñëk def ci en Arabie Saoudite et d'habitude les présidents américains buñu jëlé ngour amna ñu des alliés stratégiques yo xamné fa lañuy visiter moy le Canada wala le Mexique Arabie Saoudite la ñëk dem bimu fa démé dégg nga ci jamonom né saoudien yi promettre nañ ko danañ jënd ngannaay ci lu toll ak 110 milliards de dollars té Donald Trump xam nga ko adinaam yépp ci khalis la il pense que l'argent est au début à la fin de toute action ci ko souf donc action diplomatique politique intérieure lepp en termes de dollars la koy calculer lolou nga xamné def nañ ko ci jamonom ñu mu tek loxo nangu sen alal dégo ben réaction bu presse américaine bu Donald Trump def leneen li nga xamné def nako mu yem ni ñi moy le blocus bi am Qatar bako fateliko daw jek ci wéru koor bi ci biir wéru koor bi le jeune prince bobu mo décidé avec Bahreïn, Émirats Arabes Unis, Égypte ñu def un blocus autour de Qatar ci arrêter les vols aériens entre les deux pays dag les relations diplomatiques entre le Qatar ak Arabie Saoudite et li extraordinaire ci jamonum Donald Trump tan yow rek Tillerson mo nekkon secrétaire d'état Donald Trump and ci lolu à la limite def même déclaration bak Arabie Saoudite ci lolu contre li secrétaire d'état américain bi japp ne mo wara am contre même li secrétaire à la défense General Mattis parce que américain yi ils ont une base aérienne al Ubeidi bi nek Qatar où il y a plus de 10 000 servicemen américains té base bobu pratiquement mo nek sen sen point stratégique qui permet aussi bien leurs opérations en Irak qu'en Afghanistan mais téréwul Donald Trump pour ranger ou derrière l'Arabie Saoudite sur ce blocus yalla défal Qatar soutoura bo xamné ni ils ont pu quand même manager xam nga cette situation ba sen économie souxul et boko fateliko ci biir wéru koor bobu ci jamonom c'est l'Iran qui avait décidé envoyer ay avions de ravitaillement di ravitailler en nourriture le Qatar pourquoi ñu def lolu Qatar parce que simplement le Qatar a at least amnañu ils essaient d'avoir des rapports minimum avec l'Iran et lolu c'est un tout autre débat et sur le plan diplomatique du point de vue au plan international Qatar genn ci parce que ils n'ont pas pu isoler le pays biñ démé ba ci kanam la Donald Trump xamné li mu def njaaxum la ci la changer démarche ce blocus est toujours en place ils ont demandé 15 points ñom saoudien yi pour Qatar nangul lolu bokon na ci tej Al Jazeera Qatar lank ba teud ci souf le Qatar ils s'en sortent malgré situation bobu non lolu mom le jeune prince lu mu def la leneen li nga xamné ni amna fi yiem adina bi et ceux qui suivent la politique internationale moy kidnapper le premier ministre d'un pays Saïd Hariri domi Rafik Hariri la il est l'actuel premier ministre libanais il a fait un voyage à Jeddah, à Riyad. Ce jeune prince nangou ses moyens de communication, isoler sa protection rapprochée. Yobouko à la télévision, mou binde une lettre de démission. Alors, il a fallu l'intervention de la France, Emmanuel Macron, pour que mou nangou libéré ce jeune premier ministre. Koko bimou delou c'est au Liban, qu'il a delou ganaou sur cette démission. Et lolou, du Limalayorni, c'est pas de l'invention, c'est dans les nouvelles. Kounè que man goko vérifie à ce bop. Tout à fait. Lene li nga xamné ni amna moy yagul dara le Canada a critiqué la situation des droits de l'homme en Arabie Saoudite
Le jeune prince, il rappelle son ambassadeur à Ottawa, dague les liaisons aériennes, avions yi dem diganté ñaari réew yi. Il demande à tous les étudiants saoudiens qui sont au Canada de quitter le pays. Et di walu économie ak kom kom mu jël ay dogal yo xamné pour punir, selon le communiqué saoudien, punir le gouvernement canadien. Lolu yagul, ça fait quelques mois ci gannaaw. Pire, la guerre au Yémen, bépp organisation bu xex waref ak doom adam ci adina bi xamnako, l'Arabie Saoudite, il commet des crimes de guerre et des crimes contre l'humanité. Parce que guerre dana légal. Mais amna noy doxale ci guerre bi, lolou lu illégal lay nek. Bombarder des civils, bombarder des infrastructures civiles, ray ay civils délibérément. Yagul ci quelques wèr ci gannaaw délibérément. Royal Air Force bu Arabie Saoudite, ils ont bombardé ay bus école. Ay xalé yu don dem colonie, donc ils les ont systématiquement massacrés. Et lolu c'est des crimes de guerre et des crimes contre l'humanité. Moy lan, c'est des crimes qui ne sont pas prescrits. Moy fo way nek ci adina bi warna la top dans le temps et dans l'espace, lolu dula wacc mu. Alors ce jeune prince, il a pris le pouvoir, li moy les doxalin yi nga xamné ces derniers temps bi mu jël le pouvoir ba légui du mu lef la. Alors au niveau du Sénat américain, amna ay pushback li mala, surtout la guerre au Yémen. Parce que les Américains, les British et les Français participent à la guerre au Yémen, surtout les Américains, qui voient le renseignement, qui voient le logistique, qui voient le refueling. Ce sont les avions de ravitaillement au vol américain, c'est des armes américaines que les Saoudiens utilisent dans ces crimes de guerre et dans ces crimes contre l'humanité qu'ils commettent au Yémen. Au-delà de lolu, mais la famine ci lu yagul, Médecins Sans Frontières en demande à l'Amnesty International pour ne plus de 20 millions de Yéménites et risquent la faim. Beaucoup avec les infrastructures. Alors le jeune qui est à la base de ces politiques là, Imalalimal, c'est ce jeune prince héritier de 33 ans, mom mo def li nga xamné ni mo dal Jamal Khashoggi. Évidemment dans le talking point américain, il y a un sénateur, il est là, il est là, on n'a pas encore tous les faits, on n'a pas encore tous les éléments, nous avons une enquête qui est là, Jamal Khashoggi, il est là, 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 c'est absolument vrai. Alors la Turquie, sa démarche aujourd'hui consiste, évidemment il y a une équipe saoudienne sur place à Istanbul. Il y a une équipe du FBI qui nous fait dépêcher. Ils avaient dit qu'ils semaine belé ouvert sur que dans une Turquie, du bout du consulat, parce que Rio Bunek, sa consulat, sa territoire ou Bopula. Ça, c'est sur la base de l'Union de l'extraterritorialité, sur la base de la convention de Vienne de 1968, sur le consulat au Sénégal, Bunek, Fiji, Harlem, à New York, territoire sénégalais là. Où faut d'où du bout là, tout, qu'en de la fait. Même principe vous m'avez appliqué pour toutes les infrastructures, pour tous les locaux diplomatiques et consulaires qui sont à Dinabi. Alors les Saoudiens n'ont pas eu la police turque qui est venu, ils ont été venus. Mais voilà le jeune prince, Agri Oubini, peut-être qui est le pays de référence en matière qui va le dîner. Voilà ce qui s'est réellement passé. Agri Yimalim, maintenant, ce qui signifie en matière de relations entre les Américains et les Saoudiens, moi, au niveau du Congrès, il y a un véritable pushback qui a fait bini. Parce qu'aucun pays au monde ne peut avoir un reporter, un journaliste,